demi-finale pour les plus licenciés. Avec Arson et Fils, ça sort bien directement sur l'intérieur de la piste. Avec la belle prestation de Ethan Legrand, le Cavaillonné a pris et bien d'emblée la pole position juste derrière. Et bien on retrouve deux pilotes de Saint-Victoire aux 2 et 3e position. Alors Saint-Victoire pour la qualification, ça va être avec Jérémy Plongeon et Aloïs Malpass. Alors qu'à la 4e et dernière place qualificative, pour l'instant il s'agit du numéro 40, c'est Ivan Toussaint qui occupe cette 4e position, mais rien n'est joué, on l'a vu précédemment jusqu'au passage de la ligne d'arrivée. Maintenant je monte du 40 tête des opérations, c'est toujours en cœur, et bien le Cavaillonné Ethan Legrand qui devrait l'emporter, qui ne semble plus être inquiété pour sa qualification pour la grande finale de tout à l'heure dans cette catégorie des pré-licenciés. Pas d'inquiétude non plus normalement pour les deux concurrents. La demi-finale maintenant sur la grille de départ. La série numéro 202 qui est lâchée sur cette piste de Saint-Victoire. Hop là, alors qu'un pilote eh bien, a malheureusement glissé pour trouver ses chances de qualification dans cette première ligne droite. Pas d'inquiétude pour l'instant pour celui qui occupe la tête des opérations et qui porte le numéro 72, c'est bien sûr Esteban Moncada. Le pilote sur les couleurs Peugeot et pour le club d'Italien pour être en tête alors que juste derrière on retrouve et bien le 86 c'est Rose Plagenti, le gars de Saint-Victoire qui est à la deuxième position, mais c'est sans compter et bien sûr l'attaque du club des Angles avec Sacha Fosgourtian pour et bien la deuxième position. Changement en tête des opérations, toujours et encore Esteban Moncada et Ben Mirabeau, deuxième place pour le club des Angles. La troisième position pour Rostin Gentil.